rien de nécessaire. Embarque avec moi, je vais des vidéos en caméra subjective. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Une vidéo que j'ai pas tournée moi, mais c'est des amis qui l'ont tournée. Et ils me l'ont envoyé. Je les remercie beaucoup. Et c'est sur une Jaguar avec un compresseur. Je vous en dis pas plus. Je laisse parler mes amis. C'est près de Monaco. Et nous avons la voiture. Tadam! Avec les 380 chevaux de la V8. Ah bah écoute, avec un si beau jeune homme. Why not? Allez, allons-y. Oh là! Et alors, nous sommes dans une voiture un peu spéciale et donc on pense très très fort à toi. Vas-y mon cœur, je te laisse la parole. Alors Martin, on est dans une... Donc on est sur la courbe, ma voiture rouge qui vient d'Australie. Elle a un Jaguar qui ressort en argent comme ça sur le capot. C'est une Jaguar XK décapotable V8 avec compresseur. Alors elle est en mode sport là juste pour le moment, c'est une voiture automatique. Et on va te faire écouter le moteur. Hein. Tu es prêt? On va accélérer ici dans la ligne droite. Et normalement, Priscilla crie à ce moment-là. Mais... pour la vidéo, j'ai pas crié. Quoi dire? Alors ici, ce meuble-ci, c'est en quoi? Tout ça en acajou magnifique. Le volant ajustable. En termes de position, donc quand on démarre la voiture, le volant s'ajuste à sa dernière position, tout seul, avec un petit moteur. Ici, tu as le niveau de la batterie. Là, tu as, c'est quoi ça? Oui, il est écrit Jaguar. Ah, oui, la température. Là, pour voir si on va tomber en panne d'essence ou pas. Voilà. Alors, il y a toutes sortes d'électroniques, mais que je regarde quand même un petit peu la route plutôt que de t'expliquer. Alors ici, on est dans les montagnes, le ciel est tout bleu, il fait magnifique et nous allons dans un petit village qui s'appelle comment ? Castillon. Voilà. La voiture a une spécificité tout à fait incroyable que je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. Mais donc, elle a en fait deux clés. Il y a une clé noire et puis une clé verte que tu vois ici. Et cette clé verte, c'est la clé pour le groom. Quand on va dans un très chic restaurant ou un très chic hôtel et où il y a quelqu'un qui s'occupe d'aller parquer la voiture, il y a une clé spéciale pour lui qui limite la voiture à 20 km/h. Comme ça, on sait qu'il ne va pas aller faire tout un tour. Alors que, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Alors, il y a encore quelque chose à dire, mais oui. C'est que elle est aussi très très longue. Hein, elle est très très longue, donc elle est tout juste rentrée dans le garage. Restait 10 cm. Il fallait voir Arnaud sortir de cette voiture, hein, Martin, vraiment, parce que donc il y a un garage fermé, évidemment, pour la garder bien précieusement. Et il restait 10 cm derrière la voiture, 15 cm. De chaque côté de la voiture, et donc Arnaud, moi j'étais gentiment, Arnaud m'avait quand même déjà proposé de sortir de la voiture avant d'entrer dans ce garage, mais il fallait quand même que lui en sorte. Au niveau de la reprise, qu'est-ce que tu dirais? C'est une voiture incroyable, donc quand on pousse sur le champignon, donc elle, apparemment donc le compteur va jusque 280, très confortable. En tout cas, pour revenir décapoté avec les sièges chauffants vers une heure du matin au-dessus de Monaco et observer la baie avec Priscilla à côté, ça marchait très très bien. On s'est même, on était tellement bien dans la voiture qu'on a même pas, qu'on s'est trompé deux fois sur la route et qu'on a continué à rouler. Et voilà. Est-ce qu'on décapote et recapote cette voiture? Il y a un petit bouton ici près du changement de vitesse, hein, c'est une automatique comme tu vois Martin. Ici c'est la fonction sport, hein. Voilà, et donc le bouton pour ouvrir c'est comme ça.
La capote s'enlève. On peut alors à ce moment-là mettre ses lunettes de soleil. Est-ce qu'il faut allumer le moteur pour ça? Non, il ne faut même pas allumer le moteur. Ok, donc voilà, ici on voit la capote. Alors tu peux mettre un petit quelque chose? Alors on a le défecteur pour rouler agréablement. Ça c'est vraiment super, on l'a beaucoup utilisé avec Priscilla. Donc comme ça on remonte, tu vois, les vitres latérales. Et comme ça, quand on est sur l'autoroute, on est vraiment dans un petit cocon sans vent, super agréable. Quoique par ce soleil, un petit peu de vent, c'est bien aussi. Et donc maintenant, tu vas recapoter, c'est ça? Oui, donc maintenant je vais recapoter. Donc tu remets le... Comment ça s'appelle? Défecteur. Défecteur, je crois que ça s'appelle comme ça. Défecteur, tu réappuies... Sur le bouton. Sur le bouton, et qu'est-ce qui se passe? Et les petites fenêtres. Les arrières se remettent. Et on referme. Et Arnaud est complètement enfermé dans cette magnifique Jaguar. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux pour une prochaine vidéo.